Salut tout le monde, aujourd'hui Extrémité A, toujours sur Mirage, sauf que on va le faire sur le Palace. Donc même principe que ce qu'on avait fait sur la Pantas, donc on va le faire sur le Palace. Donc tu viens ici quand t'es en extrémité, d'accord? T'es un peu malin frérot, d'accord? T'as attendu un petit peu, t'as peut-être même challenge un peu jungle avant, tu t'es vidé ton contact, voilà, tu viens pas ici mettre ton exec direct. Donc, tu viens t'aligner ça au mur tranquillement. Et tu prends ce point-là. D'accord, il y a un petit point là dégueulasse là. Hop, vous voyez tous. Tu lâches ta smoke. Voilà. Tu viens vider ton contact et tout, il n'y a rien. Là, ça t'ouvre une petite one way sur le défaut. D'accord? Et ce que ça va surtout te permettre de faire, c'est de lâcher une molo, machin, etc. Soit de venir ici et soit que ton pote, t'as un deuxième pote qui vient genre là comme ça, qui garde que la ligne EDF. Voilà, c'est sur le même principe que l'extrémité en A, sauf que ça va vous permettre vraiment de mettre la pression aussi à part, aussi en Penta, et d'ouvrir ton panel de jeu. Voilà, c'est deux smokes à savoir. Donc Penta, faut aller voir le tuto juste avant. Je sais pas quand est-ce que je l'ai publié, mais voilà, on vient là tranquillement, on vise la tâche ici et on balance. Voilà. On vide le contact, on vient, on vide le taz. Voilà, on peut garder la ligne sur le machin, venir un peu ouvrir un peu plus ici. Si vous voulez aller ouvrir un peu plus par là et tout, voilà. On vient entendre les duels et on s'en va. C'est surtout ça qui est important, c'est qu'on est là pour mettre de l'activité, mettre une pression qui va faire rotate les gens et tout. Voilà comment gérer son extrémité au niveau du palace si on veut, on va dire mettre un peu de pression sans prendre de gros risques. C'est comme ça qu'on fait. Voilà le but. J'espère que vous avez kiffé. Lâchez un like et bisous. We'll be right back.